La deuxième grande garantie d'une prévoyance est la rente invalidité. Il faut savoir qu'en cas d'invalidité totale, la CARMF vous verse une allocation, mais d'un montant faible. Par ailleurs, la CARMF ne vous couvre pas en cas d'invalidité partielle. La prévoyance prévoit le versement d'une rente jusqu'à la retraite, et ce, même si votre invalidité est partielle. Au sujet de la rente invalidité, les points à retenir pour un médecin sont les suivants. Il faut que le barème utilisé pour calculer l'invalidité soit professionnel, c'est-à-dire que l'impact de l'invalidité soit apprécié uniquement sur votre capacité à travailler. Cela signifie que si vous perdez l'usage d'une main et que vous ne pouvez plus travailler, alors la prévoyance vous déclare invalide à 100%. Le deuxième point sur lequel il faut être vigilant, c'est la méthode de calcul de la rente, car il y a de grosses différences entre les contrats. Il faut donc bien vérifier le montant versé en cas d'invalidité totale et la méthode de calcul utilisée en cas d'invalidité partielle. Les contrats que je distribue pour les médecins ont un seuil de déclenchement de l'invalidité à 16%. Enfin, il faut bien vérifier si l'invalidité est déterminée en tenant compte de votre capacité restante à exercer une autre profession et des possibilités éventuelles de reclassement professionnel. Certains contrats, comme ceux de la médicale et de la MACSF, comportent de telles clauses que je trouve problématiques.